Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce journal au sommaire. Les parlementaires de la 50e législature se sont réunis ce lundi 10 septembre en Assemblée nationale pour clôturer la deuxième session ordinaire de l'année législative 2018. Dans son discours de circonstance, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, a soulevé l'importance de sanctionner la déclaration de la politique générale du Premier ministre nommé. Le sénateur invite le chef de l'État à convoquer en Assemblée extraordinaire à la Chambre des députés pour le vote de la déclaration de la politique générale et du projet de loi électorale. Les travaux entrepris dans le cadre de la caravane du changement se poursuivent dans le département du Sud. Plusieurs kilomètres de routes ont été construits et des canaux ont été curés dans de nombreuses villes du département en vue de faciliter la circulation des habitants. Et puis à Jérémy, poursuite des travaux dans le cadre de la caravane du changement. Les habitants de plusieurs localités saluent ces travaux qui visent notamment à limiter les dégâts en saison pluvieuse. La commission de restructuration et de renforcement du Centre national des équipements annonce avoir trouvé une entente avec les grévistes de l'institution. Le président de la commission, Olivier Emmanuel, appelle les employés à la compréhension en attendant de régler la question des arriérés de salaire. Suivez. Nous passons à savoir depuis la semaine dernière que employés nous, employés du Centre national des équipements, qui était mécontent de la situation à cause de l'arriéré de salaire que nous avons gagné pour eux. Donc, ça te vient permettre que en quantité là-dedans, pour ne pas dire majorité là-dedans, tu prends matériel CNE et que tu es occupé espace et outil là. Ça vient permettre que l'arrière est un petit genre difficile pour y accéder. Et on a parlé de zone route nationale numéro 1 et devant Centre national des équipements, qui est zone barreuse. Certainement, ça a dû par rapport avec un problème de payroll qui dû par rapport à problème et budgétaire que nous avons dans le CNE. Conscient de la situation, nous avons chuté à parler avec la présidence, le ministère des Travaux publics et le ministère des Finances. Nous avons dégagé dans tout possible pour permettre que nous ayons les moyens. Et parallèlement, nous avons chuté à parler avec l'employé. Certainement, nous sommes conscients que personne n'est pas autorisé par rapport avec le droit que nous avons défendu pour biaiser le droit de l'autre monde. Et nous demandons à tout employé que nous n'avons pas autorisé pour prendre matériel CNE et pour bloquer la rue. C'est que jeudi, nous arrivons à faire. Et si vous constatez pas de venir là, ou de la débloquer, nous étions en train avec eux. Et par rapport avec la présidence qui accompagne eux, et eux-mêmes, tout qui étaient conscients de la situation, ça vient permettre que jeudi, et n'a pas répondu à tout problème. Donc, n'a pas payé problème à l'arrière de salaire que nous avons gagné. Et certainement, employé tout, c'est vrai que vous êtes content parce que ça n'a pas besoin d'arriver dans la dimension que nous avons là, mais certainement, il a fait le maximum de nous pour permettre que d'ici un temps très court, nous régler le problème. Les commissions autrement arrivées dans le CNE en avril 2017 et nous étions préoccupés par un paquet de détails matériels que nous avons joué dans panne à 95%, en quantité d'employés que nous avons gagné dans le CNE. Question, est-ce que vous êtes nécessaire ou pas? Donc, par rapport au volume de travail que nous avons fait pour nous faire, ça vient permettre que nous ne travaillions pas sur question budget. Et malheureusement, c'est budget 16-17 qui est reconduit. Maintenant, budget 16-17 là, il permet que nous payions jusqu'à une quantité, mais il ne peut pas permettre que nous payions toute année fiscale. Là. Maintenant, il faut que nous ayons un budget rectificatif dans voter pour nous jouer moyen pour payer le reste moyen. Et nous passons à savoir combien de temps ça fait dans le Parlement pour permettre que le budget soit voté. Et je dis, Dieu merci, et merci aussi aux parlementaires qui votent le budget. Nous jouons moyen pour permettre que nous acquittions avec toute dette ça. Et m'a profité d'occasion pour me dire, employé, nous titans encore une fois qui très coûte, n'a pas répondu avec tout arriéré de salaire que nous gagnons dans le CNE. Parlons éducation. Pour cette deuxième semaine, un nombre important d'élèves, tant au niveau des écoles publiques que privées, a repris le chemin des salles de classe. Une nette augmentation au niveau des effectifs, selon plusieurs directeurs de lycées et d'écoles privées. Pour maintenant, la note est capable d'avoisiner à presque 80%. Ça ne veut pas dire que les élèves ne sont pas venus.
définitivement dans notre deuxième semaine, pas de moyen pour élever tant encore. Tant pourtant c'est l'école là pour venir. Tu es l'école de l'État lié, pas finalement épée d'Amoclès qui dit qu'on a paquet, on a l'argent pour le bail, on a propre, faut chercher l'argent, faut un budget. Non, l'État a réglé ça, il va connaître pour venir l'école. Jodi a, on nous dit que son lycée déjà sur le bail résultat là, il n'a pas le bail meilleur résultat, performance en fait pour le rété, idem sans qu'il va changer. L'école là, son institution qui a de canaliser le monde. Nous pas qu'à une société sans éducation. Et nous pas qu'à bâtir développement sans pas des monde qui forment, qui appellent pour ça. Nous tout pas qu'à faire ça qu'à fait là. Moi-même, dans l'éducation. Moi pense que nous pas qu'à mélanger éducation avec politique là. Et moi pense que politiciens, tout qu'on est, ils ont une mission par eux. Moi-même, j'ai une responsabilité par eux. Seulement, je m'a demandé, monsieur, qu'à faire grève, on quitte les élèves, il y a une chance. Que passe une bonne année académique. On pas t'arrêter même moi élève dans la rue et le pas rien pour avec ça qu'a fait dans la rue là. Nous qui pour venir l'école. L'école là c'est là qui permet nous bien penser, bien réfléchir. Il y a un peuple qui pas formé, qui pas formé, qui pas apprendre, qui pas prend temps pour l'apprendre, la prend temps pour le penser développement. Autre point, le directeur du ministère des Cultes, Evans Souffrant, s'est entretenu ce lundi 10 septembre avec plusieurs représentants du secteur protestant. Une rencontre qui s'est tenue sur le problème d'enregistrement des églises, de la tenue des cultes et des messages livrés lors de certains sermons. Une démarche qui, selon Evans Souffrant, rentre dans le cadre des efforts pour accompagner le secteur protestant. Situation, nous pensons que l'immondé à ce que le ministère chita avec pasteur Mackinson pour nous capables au moins garder avec lui au regard de la loi certaines choses face à certaines déclarations qu'il fait et qui capable peut-être déranger la société, déranger la famille et déranger certains mounes dans la société. Donc, je dis à nous te gagner une chance, chita avec toute grande personnalité secteur et nous y rencontre assez harmonieuse et assez discutée. Eh bien, je pense que nous arrivons à certaines décisions qui sont capables eh bien, mieux articuler dans le secteur protestant dans les temps à venir. Décision ça, c'est surtout sur, par exemple, les problèmes qui gagnent dans la veille de nuit, dans le bout qui a fait, certaines familles qui n'ont pas dormi, peut-être certaines décisions, tout nous prendre des décisions face à. Et des bruits qui a fait au niveau de pratique veille de nuit, pratique et cinquantaine, 40 jours la prière, etc. Ça c'est le premier bagage nous chita nous garder ensemble et que pasteur yo promet que yo va le corriger yo parce que décibel yo là yo trop fort, yo porté à tête hein, à certaines personnes. Et gen l'autre décision tout nous après parce que nous pas chita seulement sur réunion jeudi hein, nous pral chita ensemble sous l'autre dans l'autre réunion pour nous garder quelques grandes décisions pour nous prendre ensemble avec yo pour que au moins secteur capable mieux articuler par exemple ou gagner question de faux papiers et que certains monde a glissé dans dossier pour yo capable arriver à sermenter tout ça c'est des décisions nous capable chita garder ensemble qui gens nous capable et bien aider pour que et bien monde cap venu ici pour yo assermenter que dossier yo capable des dossiers qui correct dossier yo capable des dossiers qui eh bien répondre à ça que ministère a mandé donc en un mot réunion aujourd'hui on capable dit c'est un déclencheur qui est lié dans la mesure où nous pas prêter seulement sous réunion aujourd'hui mais nous prendre chita ensemble hein dans les temps à venir en pile fois pour nous capable au moins aider secteur à reprendre place li comme un secteur religieux fort en un pays et pour le bien du peuple. Suite à cette rencontre, le représentant de la Fédération des Églises protestantes, le pasteur Sylvain Exantus, dit souhaiter que des dispositions soient prises afin de réguler le secteur. Écoutons. En pile des autres qui ont fait là, c'est le ministère des Cultes qui a occasionné. L'administration aujourd'hui a fait effort pour réguler. Mais ancienne administration, yo, c'était corruption dans la question pour moun vin pasteur. Ok. Des moun qui vin pasteur, yo pas aucun papier dans main yo.
moun nan vin nan bay l'ajan, moun li bay l'ajan, li cherche papier baccalauréat pou li, li cherche papier théologie pou li, li cherche tout l'autre papier et puis la sémanté. Et puis c'est toute qualité moun sa yo ka bay secteur a problème. Sale image, tout pasteur qui a fait effort, ça a révolté nous-mêmes dans la Fédération protestante d'Haïti. Nous dit que ça a besoin de suspendre. Nous demandons il faut que le ministère des cultes plus sérieux dans étudier le dossier de monde qui a fait pasteur. Parce que là, nous avons payé un paquet de directeurs d'opinion qui n'ont pas fait études, qui n'ont pas formé. Nous n'avons pas fait au pied du maître et au pied d'eau que maintenant. Moun sa yo ki vin directeur d'opinion, yo pa el, yo pa plus haut que moun ki a pensé de yo, yo pa kap bay sa yo pa genyen. Dossier santé à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du premier secours hier dimanche. Le centre ambulancier national a organisé une journée porte ouverte dans ses locaux à Maïgaté. Des tests de dépistage de diabète ont été effectués en cette occasion. Maladie ça aussi, on sait des maladies qui a fait ravage ces derniers temps dans la société. Et que le ministère a profité de l'occasion ça pour que l'y fait séance de dépistage. En façon pour que quelqu'un ait une idée claire de qui quantité de monde dans la population qui fait attention, qui quantité de monde qui fait sucre. Après, il y a plus de jeunes et actuellement là, qui a fait des cap dépistés pour maladie sucre, qui a dépisté pour maladie sucre. C'est parce que, en plus, longtemps, c'était, on dit que c'est grand monde qui était fait sucre, c'est grand monde qui était fait attention. Mais ces derniers temps, il y a et ont tendance pour que les jeunes viennent développer maladie ça. Le ministère de la Santé publique a lancé un appel à toute population en général pour que vous cherchiez à l'ensemble de santé, à chercher à connaître si vous n'avez pas fait sucre, à chercher à connaître si vous n'avez pas fait attention. Parce que ces derniers temps, maladie ça a fait un pile ravage dans la société. Ça a aidé pour nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique, à travers les données ça, nous avons fait une prise en charge et plus ou moins approfondie dans la structure sanitaire qui déjà existait. Le docteur Agabus Joseph, directeur général de l'Office national d'assurance travail maladie maternité OFATMA, était ce lundi le principal intervenant à la 55e lundi de la presse du ministère de la Communication. Il a lors de cette conférence présenté les différentes structures de l'OFATMA, principalement ses 3 unités de dialyse, et aussi dressé un bilan positif des activités entreprises. Suivez. 3 unités de dialyse sa yo, si nous capables de bay bilan de lait yo inauguré à journée jodia, nous capables de dire que bilan plus que positif. Parce que pas un jour, pas une heure, pas une seconde que yon nan centre dialyse sa yo te suspend fonctionner. Yo toujours fonctionner en plein régime 24 sous 24. Et nombre de séances que nous, que centre de dialyse a fait au CAI dans le sud, c'est 345 séances de l'aile inaugurée 11 août à août 2018. Donc, nous fait 345 séances et nous avons en tout 25 patients. Pour cap haïtien, de inauguration 14 août 2017, à journée jodia, nous fait environ 449 séances et nous avons 21 patients. Un peu de patients, nous, c'est des patients comme nous connaissons qui viennent faire vacances et qui tout trouvent centre de dialysa qui tout prend service. Non. C'est des services que nous n'avons pas déjà trouvé et que nous sommes obligés de traverser les frontières pour aller à Saint-Domingue pour aller trouver service. Non. Qu'on y a que ils ont trouvé sur place. Pour l'Ouest, nous fait environ de l'aile inaugurée le 17 mai 2017, nous avons environ 90 patients. Et total séance que nous enregistrons pour l'Ouest, cité militaire, c'est 2748 séances. Donc, pour 3 centres de dialysio, environ nous fait 3542 séances. 3542 séances. Et total patients que nous avons, c'est 36 patients.
Le docteur Agabus Joseph a aussi présenté lors de cette conférence le programme 4 Pamelan, une stratégie qui, selon ses dires, va aider à faire face aux problèmes de distribution de cartes d'assurance. Le programme 4 Pam vise principalement les professeurs, les policiers et le personnel de santé, selon le directeur général. 4 Pam y inspiré en grande partie de Caravane du changement de son excellence le président Jovenel Moïse. Stratégie 4 PAM, c'est aller dans l'usine, aller dans le ministère, voyer des techniciens qui font photo sur place et qui font rempli formulaire, prend document et même côté émettre 4 là. Parce que assez souvent, il y a sacrifié. Au Fatma dit que le pas bay 4. Cependant, pour nous bay 4 là, bon préalable qui c'est document pour entreprise nan voyer ba nous et à partir de document ça yo qui gain extrait d'archives, de photos, sin ou nif pour que nous fait 4 yo, assez souvent yo pas voyer document ça yo et puis c'est au Fatma y a dit qui pas émettre 4. Nous-mêmes, dans la stratégie par nous, dans la stratégie 4, nous allons sur place dans l'entreprise et dans le ministère pour que nous fassions des documents sur place pour que nous prenions au à défaut. C'est ainsi que dans la bienfait stratégie 4 PAM, pour le secteur public, le ministère nous gagne. Trois entités que le président de la République m'a demandé que pour nous mettre, pour nous bailler en pile attention. Entité SAO, c'est les professeurs, les policiers et les professionnels de santé. Et c'est ainsi que, au niveau du ministère SAO, surtout au niveau de l'éducation nationale, pour les professeurs et les cadres administratifs, sous 23 511 cartes d'assurance, nous déjà émettons 14 882. Et le recteur de l'université Quisqueya, accompagné d'un groupe d'étudiants, a été le samedi 8 septembre dernier à la localité de Mouillette, 8e section communale de Petit Gois, pour rendre visite à Bénicia Souffrant, surnommée Madame Jamba, âgée de 125 ans. Cette visite a été l'occasion pour les étudiants de rencontrer la centenaire. Un garçon ne me pas la main. Adieu, mon amour. Je suis un ton garçon. Combine dans le cadre pour attendre mon ancien pour pas la main. Papa doit ça. Maman peine de porter ma ça. Je perds. Je perds. Dans toute la taille. C'est mon gars qui est dans ma bague. Je ne vais pas manger. Madame Jamba a environ 40 petites. Mais toutes petites palles ont déjà mouru. D'après Rosy Lagué, 42 l'année, qui c'est une petite. C'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. À très bientôt.